Pendant l'été 1959, donc après cette année d'enseignement à Quimper, je pars à Alger où mon époux fait son service militaire. Je ne sais pas trop ce que je vais y faire, mais Raymond Aron a demandé à Éric de Dampierre qui pouvait remplacer Bourdieu, qui au cours du premier trimestre de l'année 59 quitte Alger brusquement parce qu'il ne supporte plus la situation de la guerre. Donc moi, je suis en train d'accoucher de mon premier enfant et je vois arriver Bourdieu à la clinique, que je ne connaissais pas, et qui me demande de lui succéder 15 jours plus tard. Bon. Donc je suis bombardée assistante à la faculté des lettres d'Alger, tout en donnant naissance à un enfant en 1960 et un autre en 1961. Et je suis chargée de préparer des jeunes gens qui, pour la plupart, ont mon âge ou sont plus âgés que moi, parce que j'avais 25 ans, enfin, à une licence de sociologie qui vient d'être créée, dont je ne suis pas titulaire, parce qu'elle n'a pas été... Elle a été créée cette année-là, en 59 ou 57. Moi, comme il n'y a personne, Alger est fui par les... J'enseigne, dans le grand programme de la sociologie, je choisis uniquement l'anthropologie, que j'enseigne en piochant dans la bibliographie que m'ont faite Gellner et Dampierre. Et je dis aux étudiants, j'ai 3 livres d'avance sur vous. Quand j'arrive, je leur dis, j'ai 3 livres d'avance sur vous, à la fin de l'année, j'en aurai 100. Et donc, je vais vous raconter ce qu'il y a dans des livres pour vous dispenser de les lire. Et je fais un travail extraordinaire, enfin très fort d'apprendre pour enseigner. Et je décide aussi de faire un cours d'ethnologie de l'Algérie en piochant dans le fond très riche de la bibliothèque universitaire d'Alger parce que je veux devenir ethnologue de terrain à la fin de la guerre. À l'époque, je veux même prendre la nationalité algérienne et rester là. C'est-à-dire, j'ai été virée de Tunisie, m'insérer en Algérie. Donc, pour moi, la France, c'était pas mon pays. C'est seulement après mai 68 que je vais me sentir française pour la première fois. C'était un endroit où je suis de passage, comme tous les Juifs, on n'arrête pas d'immigrer, et voilà. En sociologie, je me contente d'enseigner Marx, parce que l'état d'esprit à l'université est extraordinairement réactionnaire, et que je me dis, on nous raconte que l'Algérie, c'est la France. Si c'est la France, alors je fais comme Raymond Aron, qui enseigne Marx à la Sorbonne. Mais là, naturellement, je me heurte à des objections parfois musclées, d'étudiants en droit qui viennent envahir mon cours, des étudiants libéraux viennent les virer, enfin bon. Puis à chaque putsch, j'ai évidemment droit à une séance un peu spéciale après. Bon, en 1962, la dernière année de la guerre d'Algérie, cet enseignement de Marx me vaut des menaces de mort de l'OS, dont des gens me suivent dans la rue et sont prêts à m'abattre quand on leur donnera l'ordre. L'OS est l'organisation terroriste des nationalistes français. Donc je dois arrêter mon enseignement et me réfugier avec ma famille dans la redoute gouvernementale proche d'Alger, gardée par 2000 CRS, la cité administrative du Rocher Noir. N'était la guerre, c'est pour moi une année merveilleuse au bord de la mer. Je me baigne tous les jours de l'année avec mes enfants. Bon. Mais je sais qu'à Alger, les choses vont de mal en pis, d'autant que plusieurs de mes étudiants algériens viennent se réfugier chez moi parce que l'OS voulait tuer tous les futurs cadres de l'Algérie. Bon, le 5 juillet 62, c'est l'indépendance de l'Algérie.
je me dis que je vais enfin pouvoir travailler sur le terrain. Et pendant l'été, je vais à Paris et je fais une rencontre avec Margaret Mead, qui me stupéfiera pour la vie. Éric de Dampierre me fait savoir un jour que Margaret Mead veut me rencontrer. Je me dis, ah, elle veut rencontrer une ethnologue, une future ethnologue. Donc je vais là-bas, la gorge serrée de timidité. C'est un salon du 7e arrondissement extrêmement mondain. Et Margaret Mead est dans un carré dans son fauteuil et elle me lance 50 questions sur les observances religieuses des juifs de Tunisie. Où, à partir de quand avons-nous eu des photos? Je lui dis, je sais pas, je suppose quand ils ont eu l'argent pour s'acheter un appareil photo. Elle avait en tête qu'il y avait un interdit sur la représentation chez les juifs. Quand est-ce que ma famille a été capable? Donc elle me prend pour une indigène et elle croit être sur le terrain. Malheureusement, je suis, par incapacité culturelle, je ne peux répondre à aucune question. Elle, ça l'exaspère. Elle est très, très, très énervée. Elle n'a manifestement pas remarqué que son indigène enseigne à l'université, parle l'anglais, la rencontre dans un salon parisien, ce qui suppose tout un ensemble de conditions. C'est-à-dire que les ascendants de l'indigène aient quitté leur grotte depuis longtemps et effectué un certain parcours qu'elle-même. Et elle ignore complètement le fait que les Juifs de Tunisie, qui se sont assimilés au système colonial français, ils ont perdu leur religion, l'essentiel de leur religion, et ils n'ont aucun, à la deuxième ou troisième génération comme moi, on ne sait même pas en quoi ça consiste. Ceux des Juifs de Tunisie, ceux qui ont gardé un lien vivant avec leur religion, un, ils sont de classe sociale très défavorisée. C'est ceux que mon père aidait, par exemple, ceux dont mon père payait les études à leurs enfants. Et deux, ils sont allés en Israël, ils ne sont pas à Paris. Donc si elle rencontre une juive à Paris, dans un salon parisien de Tunisie, ben, ce n'est pas une indigène. Alors, bon, évidemment, j'ai eu mauvaise conscience de ne pas savoir répondre au génie de l'anthropologie, mais après coup, j'en ai fait la leçon numéro un que j'ai enseignée à mes étudiants toujours. Premièrement, ne jamais s'imaginer que l'autre est un indigène et qui ne demande qu'à débiter sa culture qu'il connaîtrait par cœur, dans les termes où les ethnologues en ont fait des bouquins, en ont constitué cette culture sur la foi de lecture. Et de façon corrélative, ne jamais m'imaginer moi-même que je suis anthropologue du fait que j'ai des questions à poser à quelqu'un. Ça ne suffit pas pour faire un anthropologue. Il faut qu'un certain lien se crée, qu'une certaine curiosité existe, pas seulement que l'autre accepte d'entrer dans ce jeu-là. Bon. Donc, on est dans l'été de l'indépendance. À l'automne 62, je suis maintenue dans mon poste à l'université d'Alger. Et à ce moment-là, je poursuis mon enseignement universitaire, mais je forme une équipe d'enquêteurs composée d'Algériens et de ce qu'on appelait les pieds rouges, les gens comme moi, qui voulaient rester en Algérie après l'indépendance et éventuellement devenir Algériens, les partisans de la Révolution. Donc deux d'entre eux s'engagent tout de suite comme instituteurs dans des villages, dont l'un, Jacques Lizot, sera l'excellent ethnologue des Yanomami, en Amazonie. Et moi, pour la première fois, je peux circuler dans ce pays que je ne connais pas, puisque à cause de la guerre, on pouvait à peine circuler les années précédentes. Je suis là depuis 59, on est en 62. Et donc, avec des anciens officiers subalternes de l'ALN, j'ai fini par trouver que c'était ça la bonne entrée dans les campagnes. Je vais voir tous les lieux où la révolution a éclaté, tous les villages, on circule partout. Bon. Mais parfois, en étant avec des anciens officiers de la LN, on se retrouve
devant des insurrections paysannes, des paysans qui se révoltent contre le nouveau pouvoir et qui créent des insurrections de forme tribale. Bon, j'assiste à ça, j'en parle pas. Je sais que c'est dangereux d'en parler, je prends des notes. En 1964, donc j'appartiens au milieu de l'extrême gauche, hein, en 1964, Mohamed Harbi, qui est un trotskiste, qui deviendra un très bon historien de l'Algérie, après qu'il aura eu beaucoup de malheurs là-bas, qui deviendra un très bon historien de l'Algérie en France, Harbi est le conseiller du président de la République, un conseiller du président de la République, et il me demande d'aller avec mes enquêteurs enquêter sur ce qu'on appelle la réorganisation démocratique des comités d'autogestion ruraux, c'est-à-dire des fermes qui ont été prises aux colons, après que les colons ont abandonné après l'indépendance, où se sont installés, puisque c'était une révolution, des comités d'autogestion, qui ont souvent très mal géré, où de la corruption s'est installée, etc. Mais que Ben Bella a décidé, ou Harbi et les conseillers trotskistes du président, moi j'étais branchée sur un nid de trotskistes autour du président, dont un grec qui s'appelait Pablo, Michel Pablo, dont on sait que quand il arrive, une révolution est foutue, quand il arrive là, elle est définitivement foutue, mais je l'aimais beaucoup, lui et sa femme, et ils m'ont beaucoup appris, voilà. Bon, donc ils avaient exiger la réorganisation, qu'on refasse des élections, c'est-à-dire des élections libres dans les comités de gestion. Et j'ai un laissez-passer du président pour enquêter comme je veux. J'ai tous les pouvoirs. Je convoquais un sous-préfet, aller le voir, lui demander les comptes des comités de gestion, visiter les fermes, etc. Donc on s'organise par groupe de 3 enquêteurs et on visite quantité de fermes. Mais à la fin de l'été, Harbi nous demande d'arrêter notre enquête qui est trop explosive parce que les ouvriers mécontents, ceux qui se font voler, en fait, parlent devant nous parce que nous, on est les envoyés du président. Ils parlent de leurs propres cadres qui sont corrompus. Quand on arrive là-bas, en fait, on refuse de parler. D'abord aux cadres, après aux ouvriers, on les réunit tous, et, puisqu'on est dans la révolution, et on leur demande de parler ouvertement, de parler. Évidemment, les cadres, il n'y a que les cadres qui parlent le premier jour. Les ouvriers viennent nous voir, certains ouvriers viennent nous voir pour nous parler en cachette, et à partir du second jour, tout pète dans les réunions publiques. Bon. Donc, en fait, on essaye de ne pas jouer les justiciers, mais on est les justiciers que le peuple attend, que les ouvriers attendent. Et naturellement, du coup, des corruptions explosent, se montrent, des comptes commencent à se régler sous nos yeux, et voilà. Donc, on rentre à Alger. Hein. Moi, j'en étais soulagée. Je trouvais ça trop, trop, trop violent, et je ne savais pas comment on allait s'en sortir. Et pendant que je me retire au bord de la mer pour rédiger mon rapport, à l'abri de toute pression, et pendant que je le rédige, j'apprends par des enquêteurs que j'ai formés, qui me connaissent depuis 3 ans, qui tout d'un coup me disent « Mais vous ne nous aviez jamais dit que vous étiez juive. » Je ne l'ai jamais caché, mais j'y pense jamais, en fait. Ce n'est pas une dimension à laquelle on m'a appris à penser. Bon, et je comprends que que j'ai connu trop de choses. J'ai mis les pieds dans trop de situations que personne ne doit connaître. Je suis française, je pourrais travailler soit pour les services spéciaux français, soit pour le Mossad, et on m'accuse des deux. Et ce sont mes propres enquêteurs qui commencent à me dire d'un air gêné « on a vu trop de choses, il faudrait se taire ». Je dis « mais j'en parle à personne, j'en parlais même pas à mon époux ». Et même mes meilleurs amis qui eux-mêmes étaient dans des activités clandestines à l'époque
ne m'ont pas dit ce qu'ils faisaient, et moi non plus. Je veux dire, on savait ce que c'était que la clandestinité. Bon, donc je remets ma copie et je quitte l'Algérie du jour au lendemain sans prévenir. Parce que je savais que si j'étais arrêtée, personne ne me défendrait. Et j'ai rencontré Arbi 20 ans plus tard et je lui ai dit « Alors, si j'avais été arrêtée, tu m'aurais défendu ?» Il m'a dit « Non, tu sais bien que non. » Bon, donc je me retrouve tout d'un coup atterrissant dans la France des années 64, incroyablement prospère, avec un nombre de pharmacies au kilomètre carré, de commerce par rapport à la campagne algérienne où tout manquait. J'arrivais pas à croire qu'un pays aussi riche puisse exister. Donc je me retrouve dans cette France paisible et prospère. L'automne 64. Et donc voilà, j'ai fait une expérience de terrain, si on peut dire, pendant 2 ans, où j'ai de fait très peu été à Alger, toujours dans la campagne, mais dans des terrains dispersés qui explosent au bout de 3 jours. Le plus longtemps que j'ai pu rester à un endroit, c'était 6 semaines, dans un pays en révolution, avec mes lectures, mais dont les sciences sociales n'en parlent pas du tout. Et Gellner est le seul ethnologue au monde à croire qu'on peut faire de la science avec ça. Il me présente des gens, mais évidemment, des sociologues et des ethnologues, évidemment, ils me disent, en général, ils me disent, vous savez, il faut un peu plus de calme quand même pour écrire quelque chose. C'est-à-dire, les sciences sociales ne s'occupent pas des révolutions. Mais grâce à sa confiance, sans sa confiance, j'aurais pas pu travailler même mes matériaux dont je vais tirer quelque chose. En 65, il y a un coup d'État en Algérie, Ben Bella est débarqué par le colonel Boumediene, Mohamed Arbi est arrêté, et d'ailleurs mon rapport disparaît à cette occasion, qui justement disait « les seuls comités d'autogestion qui fonctionnent, c'est ceux de l'armée, parce qu'ils peuvent se permettre de menacer tout le monde de mort si on ne leur donne pas les camions, les machins. Les seuls dont la gestion est convenable, c'est ceux des comités de gestion. » Et ça leur avait fait très peur à la présidence de voir que la seule force organisée, c'était l'armée. Ce dont ils avaient des éléments par ailleurs, mais voilà. Bon, moi, je... Néanmoins, j'étais à mon désir de retourner en Algérie et je n'en tire aucune conséquence. En France, je n'ai pas de poste, mais Gellner me fait avoir une bourse de la Wenner-Gren Foundation. Et comme tout le monde, j'assiste au séminaire de Lévi-Strauss sur la mythologie toutes les semaines. J'y retrouve mes camarades de philosophie qui sont tous devenus structuralistes. Moi, je ne suis pas très structuraliste, c'est-à-dire, je ne suis pas sûre que ça marche, cette histoire de mythologique, mais la figure de savant de Lévi-Strauss me fascine complètement, c'est-à-dire son hardiesse intellectuelle, son immense connaissance de l'anthropologie anglo-américaine. Mais moi, je travaille sur des questions d'anthropologie politique qui ne se prêtent pas du tout à l'approche structuraliste. Et mes camarades, d'ailleurs, devenus ethnologues des représentations, ne voient pas du tout ce que je pourrais faire. Bon, mon premier article paraît en 1966 dans la revue L'Homme. C'est un article sur la thèse de Gellner sur une zaouïa marocaine, du Haut Atlas marocain, qui pour la première fois expose... très clairement la théorie de la segmentarité qui existait déjà depuis longtemps en Grande-Bretagne mais qui était inconnue en France. Et curieusement, à ce moment-là, Lévi-Strauss immédiatement me fait attribuer la recension des parutions d'anthropologie sociale sur le monde arabo-berbère dans sa revue. Mais dans la semaine, les 3 spécialistes du Maghreb me convoquent, Germaine Tillon, Jacques Berck et le jeune Pierre Bourdieu, qui n'a que 5 ans de plus que moi, qui s'est vite rangé du côté de ce qu'on appellera bientôt les mandarins,
Tillon me dit, vous ne mettrez pas les pieds en Aurès, dans les Aurès où j'ai naturellement j'ai été, j'y trouve pas de trou. J'ai même trouvé des gens qui l'ont vu arriver sur le terrain en 34, je sais plus. Un vieux un jour qui me dit, ah oui, j'étais enfant, elle est arrivée avec les cavaliers de la commune mixte, alors qu'on la célèbre partout comme la grande résistante qui a fait de l'ethnographie anticoloniale. Pas du tout, elle arrivait avec les cavaliers de la commune mixte. Et elle demandait, elle dit, elle faisait comme toi, elle demandait les noms des choses en chaouya, et on lui disait. Et à un moment, elle montre un œuf, elle dit, comment vous appelez ça? On lui dit, Tmlaline. Emmenez tous les Tmelalines. Les cavaliers de la commune mixte ont piqué tous les œufs de la population de ce village. Bon, quand je raconte cet épisode en ce moment où on déifie complètement, je dis mais arrêtez, c'était une anthropologue coloniale. C'est pas de sa faute. On va pas lui chercher des poux, mais ne dites pas qu'elle a créé un programme de recherche. Hein, parce que ce qu'elle faisait, elle, sur le terrain, c'est qu'elle faisait disparaître les jeunes filles qui devaient être, des jeunes filles qui devaient être mariées de force. Et donc, une de mes très bonnes amies a été la fille d'un ancien officier de la commune mixte qui m'a dit, mais quand elle venait sur le terrain, on ne savait plus comment faire. Qu'est-ce qu'elle allait avoir comme idée? Donc, elle était d'un côté, elle était féministe, d'un autre côté, elle était parfaitement colonialiste. Et c'était ça, cette génération-là de l'anthropologie française au Maghreb. Bon, Tillon me dit, vous ne mettrez pas les pieds dans les Aurès. Bourdieu me dit, vous ne mettrez pas les pieds en Algérie. Tout ça pour des recherches que j'avais faites à mes frais sans jamais demander un sou à personne. Et Berck me dit, vous ne mettrez pas les pieds dans le monde arabe, ni au CNRS, et je m'y emploierai. Bon. Parce que, en fait, et donc ils me disent, mais assez avec cette nouvelle ethnologie américaine, alors qu'évidemment, c'était que des Anglais, les références de la segmentarité, et assez avec le structuralisme dont Bourdieu se dira après le fils le plus fidèle. Bon. Néanmoins, j'entre au CNRS contre leur avis, parce qu'il existe dans la commission des chercheurs quelques personnages comme Jean-Pierre Vernon, qui a été un des fondateurs de l'Homme, et qui soutient très fortement ma candidature, en refusant de me rencontrer. D'ailleurs, je trouve ça très bien. Et voilà. Donc, il y avait à ce moment-là un double mouvement. Il y avait à la fois des spécialités avec leur domaine gardées au couteau, où il fallait dire ceci et pas cela. Donc, curieusement, le jeune Bourdieu n'avait aucun problème pour y entrer. Voilà. Et des novateurs comme Éric de Dampierre, Jean-Pierre Vernon, Lévi-Strauss. Et donc j'ai bénéficié du fait qu'il y avait d'autres revues, par exemple celle d'Éric de Dampierre, les structures, les archives européennes de sociologie, L'Homme, qui était une nouvelle revue, c'était les premiers numéros, où on pouvait publier, et on ne publiait pas dans les revues des spécialités, des spécialistes, et d'ailleurs, ils ne nous auraient jamais voulu. Voilà. Donc, cette année-là, en 66, Gellner me demande de participer à son atelier sociologie et ethnologie au Congrès mondial de sociologie d'Évian, à un moment où j'étais une 12e sous-merde pour tous les chercheurs, hein. Une débutante qui venait d'avoir un poste d'attaché de recherche et qui n'était strictement rien. Il me demande de participer à cet atelier et j'y présente une analyse des insurrections tribales auxquelles j'avais assisté en Algérie, un texte intitulé « Le traditionalisme par excès de modernité » qui s'appuie d'ailleurs sur des choses que Clifford Geertz avait pensé à l'époque sur les primordial societies, sur la façon dont on réinterprète la tradition, les traditions qu'il appelle primordiales, sous la pression d'une situation de la modernité. Clifford Geertz est là, il apprécie, et il y a quelques Français, parce que
pour les autres Français, ils ne me regardaient même pas. J'étais vraiment une douzième sous-merde qui commence à dire que c'est le papier qui va, des Français qui va compter. Et il y a Éric de Dampierre qui tient à le publier pour les Archives européennes de sociologie, qui se crée tout juste à l'époque, et qui, l'année 67, me fait entrer au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative à Nanterre.